Bon les gars, avant de vous parler du programme, je vous récapitule vite fait ma situation. Alors à peu près début décembre, on jouait contre Pau sur un vieux synthétique. Bien sûr, moi, comme une merguez, je me suis fait une entorse à la cheville tout seul. Mais ça, je vous apprends rien, les vrais qui me suivent depuis longtemps, ils le savent. Du coup, comme vous l'avez vu sur mon dernier vlog, j'ai voulu reprendre juste après la trêve de Noël. Malheureusement, au bout de 2-3 jours d'entraînement, encore mal à ma cheville. Ce qui fait qu'avec les kinés, on s'est un peu inquiété parce que c'était pas normal que j'ai encore mal après tout ce temps, alors que tout se passait bien dans ma phase de reprise. Ils m'ont envoyé direction la clinique du sport à Bordeaux. J'ai vu un médecin, médecin de l'équipe de France de ski. Il m'a donné le verdict exactement de ce que j'avais. En fait, la cicatrisation, elle s'est super bien passée. Sauf que, en gros, mon tendon, il s'est trop épaissi. Ce qui fait qu'il frotte contre l'os. Et donc, ça peut être super douloureux. Et c'est exactement la douleur que j'ai ressentie quand j'ai voulu reprendre. Donc là, j'avais bougé sur Bordeaux début de semaine. Là, on est vendredi. Je suis donc sur ma phase de reprise qui, normalement, devrait être bonne cette fois. Puisque lundi je dois reprendre avec le groupe. Bref, là je suis un peu à la bourre, je vous emmène avec moi aujourd'hui, je vais vite me préparer. Bon du coup je vous dévoile enfin le programme. Là on va récupérer Kirikou. Ouais Kirikou, tu peux mettre l'extrait là à ce moment là. Il a pas fait le dégradé, attends. Et après je vous explique le programme dès qu'on arrive à la salle de sport. Et là les gars, vous pouvez comprendre pourquoi en fait on va dans une salle de sport et pas courir ou faire du vélo dehors. Je peux filmer ça, la pluie, un classique à Limoges. Sérieux, hein, je crois qu'on n'a plus vu le soleil mais depuis un moment. De toute façon c'est pas compliqué pour ceux qui montent sur Insta. Dès qu'il y a la moindre once de soleil, ah je le filme direct. Hein. Je suis complètement choqué. Là tous les jours c'est pluie, même de la neige un peu en ce moment. Bref, c'est un peu chiant pour s'entraîner du coup. J'appelle Hugo. Il est capable de dormir lui là. Ouais, là j'arrive devant dans 30 secondes. Ok. Vas-y, à tout de suite. J'ai quelque chose à vous dire fièrement. Franchement, on va pas se mentir, je suis très fier de ça. J'espère que vous l'avez tous remarqué. Rétroviseur neuf. Entièrement restauré, il est tout beau, je peux enfin me servir de ça pour regarder s'il y a des gens derrière moi. Ça faisait depuis, quand est-ce que je l'ai pété? Fin juillet, mois de juillet, un truc comme ça. En juillet, j'ai cassé ce rétro et je l'ai réparé seulement début décembre. Bon bref les gars, grosse merguez, j'ai oublié le badge pour rentrer à la salle de sport. Bon, on va voir si on peut pas faire autrement. Je vais aller voir direct à l'accueil. Attends, on va passer par là. Je vois pas Hugo avec ce petit maillot là. Pour combien tu le mets là? Pour combien tu l'achètes et tu le mets? 1,10. 1,10? Ok. 1, 2, 3, 4. Pourquoi tu l'as dit? Ça veut dire que tu fais ta séance de sport comme ça? Eh, vous me voyez avec ça là? Non, vraiment. Il coûte pas cher en plus, il tirait grave bien. Hein. 30 euros. Ouais, mais je préfère celui-là d'abord. On a eu le badge, les gars. Du coup, là, on va partir sur une séance un peu différente, mais on va commencer tous les deux par du vélo. Moi, en mode un peu plus reprise, je vais faire un peu de fractionné aussi. Et Hugo, vu qu'il joue dimanche, c'est ça? Il va faire juste un peu en mode 30 minutes de vélo, histoire de s'entretenir, vu qu'il n'y a pas d'entraînement aujourd'hui. Voilà la team, le thème de la vidéo, vous l'avez compris, c'est moi, ma blessure et ce que j'ai eu. Mais il faut savoir que dans le foot, il y a plein de types de blessures, ça arrive à tout le monde, aux joueurs amateurs, aux joueurs pros. Là, on a Hugo, qui est notre latéral gauche cette année, au LF. Il va vous raconter un peu son parcours, ce qu'il a fait. Il a eu une blessure un peu embêtante, il a éloigné donc des terrains. Donc, je vais te laisser parler de ces circonstances. Aggravantes. Non, du coup, ben moi... J'étais dans un petit club amateur qui était Aix-sur-Vienne. Ensuite, j'ai eu la chance d'intégrer le centre de formation des Chamois-Niortais pendant 3 ans. Donc ça se passait très bien, d'où la dernière année, j'ai eu une blessure, une pubalgie.
Pour ceux qui connaissent pas, donc t'as eu la pubalgie. Une pubalgie, c'est une blessure assez grave en fait aux adducteurs. C'est ça. Donc c'est hyper chiant parce que ça peut éloigner des terrains comme pendant 2 semaines et même pendant plus d'1 an. Enfin, comme pendant ça a duré combien de temps toi? Moi ça a duré il y a 5 mois, un truc comme ça. Et t'avais les kinés, c'était les kinés du centre qui te soignaient ou Ouais, bah, c'était les kinés du centre, mais ils ont pas pu vraiment me soigner au final, puisque le réel problème c'était pas ça venait pas vraiment de l'adducteur, c'était plus l'os en fait. Ah ouais. C'était osseux. De toute façon, c'est ça qui est chiant avec les pubalgies, souvent on a du mal à cerner d'où ça vient exactement. C'est ça. Et là du coup, suite à cette blessure, t'as atterri à Limoges. C'est là, ça. Ça se passe comment? Dis-nous un peu tes objectifs. Ça se passe plutôt aussi. Bien. Hein. Ça se passe plutôt bien. Je joue tous les matchs, mon titulaire. Le coach il me donne bien sa confiance pour l'instant. Donc ouais, faut continuer quoi. Et ta blessure, plus rien là maintenant? Non, là plus rien. En fait la pubalgie, c'est une chose que tu dois quand même entretenir. Parce que tu peux ressentir la douleur des fois quelques mois après, mais c'est pas quelque chose qui va te gêner, tu vois. Bah, je vois les gars, Hugo à chaque fois il arrive avant l'entraînement avec un petit élastique, il entretient les adducteurs. C'est important. Ça sert à quoi là cet élastique là? Cet élastique c'est surtout pour renforcer l'adducteur. Moi je sais que les gars, au niveau des adducteurs, j'avais eu une fois, allez c'est un grand mot en disant le début de pubalgie, mais quelque chose qui m'avait éloigné à peu près 3 semaines des terrains, c'était bah, juste avant ma cheville, limite ma plus grosse blessure. Et tout simplement, des fois on n'y pense pas, mais ça venait juste de ma raideur, j'étais pas assez souple. Et c'est vrai que bah, du coup, mes adducteurs ils s'étaient beaucoup plus abîmés. Et le kiné, tout simplement en me réétirant, en me réentretenant mieux, bah, la douleur était partie. Et parfois c'est des choses toutes simples, quoi. En s'étirant, en faisant du renforcement comme il fait Hugo, on peut vraiment bien se soigner. Bon, après ce petit débrief, on a fini les 20 minutes de vélo tranquille, on va dire. Hugo, je crois que tu vas t'arrêter, toi. Ouais. Parce qu'il joue dans 2 jours, donc vaut mieux s'arrêter. Moi, par contre, je reprends lundi, donc je vais pouvoir forcer. Et on va faire un petit peu de fractionné. Regardez-le, là, lui, là. Des étirements pendant que je pédale, moi. Il fait semblant, ce tricheur. Je vous jure, si vous faites du fractionné pour travailler le physique, revenir quand on s'est arrêté un moment, il n'y a rien de mieux, vraiment. Vous pouvez le faire sur tapis, dehors, mais moi il pleut. Je préfère être à la salle ou sur vélo aussi. C'est la même chose. C'est horrible, j'arrive pas à parler. Bref, séance de gainage terminée, on termine par les étirements et on rentre. Cet après-midi, épreuve importante, le permis de conduire pour Monsieur Fougeras. On va l'amener là-bas, vous verrez un petit extrait sans doute et son verdict après. Imagine, t'arrives, tu fais. Comme ça. Oh putain. M'a pété un plomb. Tu me dis non, madame, on est un peu en retard. Tu prends ça en première voiture? Fou, voilà. Tu prends ça en première voiture? Je sais. Moi, si je prends, direct. Ça va. C'est une voiture de gadget, ça. Ouais. C'est un peu moi, mais je prends. Vas-y, je mets direct les pattes à chauffer. Voilà, on fait vite fait à graille. On va se dépêcher, il doit être 13h30. Ensuite, on amène direct Hugo. J'ai encore lui porté de l'œil à son permis. Alors, je vais te montrer aussi le match là. Parce qu'on va débriefer son petit match de ce week-end. On va l'analyser en vidéo tranquille. Montre-nous quelque chose, fais-nous plaisir. J'ai déjà vu 2 personnes se défoncer comme ça. Dans le field goal. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Et moi, oh putain. Non, arrête. Tu sais combien elle a volé cette table? C'est pas moi. Oh, c'est le club qui m'a donné cette table quand je suis arrivé. Vas-y les gars, fais tomber. C'est la merguez des deux.
C'est pas tombé. Elle est pas tombée. On essaie de l'espérer là. Je vais vous montrer les séquences de monsieur Hugo Fougeras en match contre son ancienne équipe à Niort en plus. Et qu'est-ce que j'ai fait? Les crochets là comme ça. Crochet extérieur pied gauche. Il débordait. Il avait quel âge Jorgol? 16 ans. 16 ans. Tu sais, c'est la même réaction quand tu vois une... Je me suis compris. Non, mais quand tu fais... Elle a quel âge? 16 ans. Non. Ah putain, la balle de Marjo. Marjo, si elle, tu nous la mets, tu nous changes le match. Tu venais de rentrer. Monsieur Fougeras. Kylian, Kylian Mbappé. My evidence you once really cared. I'm reaching for a hand to pull me up, up. One open to an everlasting love. Exhale the past, inhale the future that lies. Change my heart, change my mind. For the last time, wanna believe in the life I've led. I don't wanna leave another word unsaid. You know my heart will follow you in tomorrow. In tomorrow. Bon, maintenant, on amène Hugo au permis. On va lui dire merde. Je pense que t'appelles après au téléphone. Tu me feras ton petit débrief. Bon, on a déposé Hugo à son centre d'examen là pour le permis. Nous, j'attends de savoir si je vois le kiné cet après-midi. Sinon, comme prévu, reprise de l'entraînement ce lundi. D'abord tout seul et mardi, ça sera avec le groupe. Ouais. Bon, allô, attends, je mets mes écouteurs. Vas-y, mets. Bon, alors écoute, franchement, pour dire la vérité, je sais, je vais pas dire non, je vais pas dire oui. Mais l'inspecteur, il était assez serein. Bah c'est bon, c'est tu là tranquille, gros. Non mais arrête. Tranquille, arrête. Moi, juste, à un moment, il m'a juste répété une fois, monsieur, faut juste que vous fassiez les contrôles, des bons contrôles. En fait, au lieu de En fait, c'est comme Colbert, quoi. T'arrives pas à faire des contrôles, comme sur le terrain. Mais casse-toi de là. Non mais je rigole pas, gros, écoute. Non mais tu sais qu'on t'a suivi tout le long. Tout le long, on était derrière toi, en plus, gros. Mais t'es un mytho. Non, je te jure, tu nous voyais pas. La vie de ta mère. Mais la vie de la mère. La vie de ta mère? La vie de ta mère. Mais t'es un mytho, t'es rentré chez toi. Ah, mais non, je rigole, non, on s'est bah oui, on séparé. Bon les gars, on est lundi matin, il est 9h40, entraînement, on a rendez-vous à 10h là. Il n'y a pas tout le monde qui s'entraîne, il y a ceux qui reprennent de blessures. Il y a ceux qui hier sont pas rentrés ou ont très peu joué avec la Nationale 3 aussi. Donc en gros, tous ceux qui ont besoin de jouer, de reprendre tranquille, ils seront là ce matin. Les autres, ils sont au repos aujourd'hui. Et si tout se passe bien pour moi à cet entraînement, demain, je pourrai reprendre avec le groupe totalement. Et enfin, pouvoir m'être remis de cette blessure à la cheville. Allô? Ouais, Val. Ouais. C'est bon, j'ai eu ton message. C'est que j'avais pas. Ah, c'est bon. Vas-y, bah, de toute façon, là, j'arrive. En gros, je récupère CC et Marjo. Et là, je suis là dans 5-10 minutes. Pas de problème. Vas-y, c'est bon, à tout de suite. I wanna see the light.
Qu'est-ce qui s'est passé, gros? Enfin, il nous a tués. Ah ouais? C'était un petit entraînement reprise, genre en fait proprioception et tout. Horrible. 35 minutes de footing, 3 blocs de 5-25 et re 10 minutes de footing. Vraiment, je suis content là, j'ai pas mal à la cheville. On a bien bossé. Et demain, normalement, je reprends avec le groupe.